Salut à tous! Je suis à Talence, chez moi, avec ma famille. Mes journées, c'est assez simple parce qu'il y a du sport, quand même un peu, et puis un petit peu d'études. Parce que apparemment il faudrait que je valide ma L3 à la fin de l'année et du coup il faut que je travaille. Donc on essaye de partager son temps entre un petit peu de sport pour se maintenir en forme et en même temps un petit peu de révision pour que l'année soit quand même pas complètement foutue. C'est une question un peu dure, mais je pense que je dirais quand même Netflix. Parce que s'asseoir sur un canapé et regarder un bon film, c'est quand même pas mal. Ah non, Top Chef, pas de carbo. Pff, moi j'aime pas du tout ça. Du coup, la petite anecdote, c'est qu'en compétition, c'est un peu facile de faire des pâtes carbo. Du coup, à chaque fois, on me dit Yael, on fait des pâtes carbo, et moi je suis là, non, j'aime pas ça, je veux des pâtes bolo. Du coup, je suis toujours un petit peu perdante parce que globalement, il y a plus de gens qui aiment les quatre. Les pâtes carbo que les pâtes bolo, du coup, tant pis pour moi. Les deux, non? Parce que bon, là, on a plein de temps. Globalement, on peut faire une heure d'Instagram, une heure d'un bon bouquin, et puis il reste encore la moitié de la journée, donc j'ai pas trop envie de choisir, en fait. Alors, je suis le programme physique qu'on nous a donné à l'INSEP. Du coup, il y a beaucoup de renforcement, des abdos, de la course, du fractionné et... PMA, donc aller sortir un petit peu. Et du coup, on essaye de garder la visualisation du bad en pensant badminton, tout simplement, en essayant de se représenter, ou alors en regardant des vidéos de match. Donc globalement, pour rester en forme au niveau bad, c'est pas trop mal. Jouer au badminton, ce sera la première chose. Après, faut être honnête aussi, en étant une fille, je pense que j'irai faire les magasins. Mais... Chut, parce que le compte en banque, il aime pas ça. C'était ma petite vidéo. Je pense que même si on doit rester chez soi et qu'au final, on trouve que c'est horrible de pas pouvoir sortir, on n'est quand même pas si mal que ça chez soi, qu'il y a des moments donnés, on aimerait bien voir plus sa famille, surtout les sportifs qui bougeons beaucoup. Alors, il n'y a qu'un mot à dire. En ce moment, il faut rester à la maison.